Allez, on est reparti pour du Jack et Daxter. Je vais peut-être changer sur Twitch parce que je ne l'ai pas changé. C'est pas cool. Voilà. Daxter. PSP. Tapons Daxter. Voilà, comme ça c'est jour, tant pis, Daxter il aura le DA en majuscule. Oh, ça refait le bug de la description. Ouais, mais c'est pas grave, c'est. Je dois l'avoir aussi, je pense. Non, si je regarde vite fait. Ah oui, je l'ai aussi. Ouais, non, mais c'est Twitch qui bug. Ouais, je le vois aussi. C'est pas grave. J'ai envie de dire aux F. Ok. Ah, j'ai pas vu un truc. Merde. Bon, j'ai pas vu. Donc voilà, on était là. On avait récupéré notre super Vespa. Mais viens là. Et donc, on devait aller au bar, il me semble. Avec notre super bat scooter. Là-bas. Ah, ce jeu de la vie. Sur notre beloutre. Ah bah c'est notre copine. Eh bien, l'OVNI, je vois que tu respires encore. Eh oui, toujours à l'attaque pour partir à l'attaque. Eh ouais, ouais. super. Tiens, ça pourrait être utile. C'est une modification pour ton pulvérisateur. Oh, cool! Ça sert à quoi? Un booster de pression. Essaie-le. Ça devrait être amusant. Oh. Ah, je supporte bien la pression, ma jolie. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah, Ça au fait fait, jackpack. ça ne dure que quelques secondes. Garde les boissons frais, ma belle. Je vais pas être très long. Quel dragueur ce Dexter. Franchement. Quoi ce truc vert? Ah non, c'était pour le choper, j'ai rien dit. Alors ça, t'es appuyé sur rond pour planer. Ah ouais, c'est cool ça. Ah, c'est cool. Bien pensé. Franchement, c'est bien imbriqué dans le jeu. Daxter, j'aurais jamais pensé être contente de te voir un jour. En Encore tout une cas, il y a trop gonzesse. de pression dans les tireuses et les vannes doivent être réinitialisées. Le problème, c'est que personne n'est descendu là-dessous depuis des mois. Je sais que t'as pas besoin de plus de motivation que ça. Mais genre, la meuf elle essaie de me soudoyer. Explore la brasserie et rétablit la pression des robinets. Oui, je vais lui foutre la pression. Alors, c'est par là. Oh, la musique est sympa. Mais non, mais tape toi. Les cafards ils se mettent à voler. Ça, c'est pas bon signe. Alors, franchement, j'ai super bien accroché à ce jeu. Alors, j'espère que ça va continuer. Ça va être toujours aussi bien. Ah, mais ils commencent à cracher eux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, oui, c'est vrai que je suis plus sur le truc volant là. Ah, mais j'anticipe trop. Bon, les ennemis commencent à se rebeller. Ça, c'est pas cool. Dirige le jet de temps vers une flamme pour l'enflammer. Ça sert à quoi? Ah, oui, d'accord, il fallait viser ce truc. J'avais pas fait gaffe. Oh, il y a un truc là-bas en dessous. Un item, un œuf. Alors on a vu que les œufs ça servait bien aussi, ça nous donne des mini-jeux assez sympathiques, hein, mine de rien. Il y a un œuf ici. Cool, allez monte. Allez mon gros sac. Alors. Ok, ça c'est bien vu. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors j'essaye de me rappeler un peu. Là-bas il y a un œuf, là-bas il y a un mec. Bon, je dis qu'on va descendre d'abord. De toute façon, on doit pouvoir remonter. Comment il a voulu me carotter? Ah, mais s'il me laisse pas l'enchaîner, on va pas s'entendre.
Et il m'a fumé ma gueule. Ah non, je reprends ici en plus. Bon, c'est pas grave, on a ramassé les trucs. Ah quoi que ça me redonne les... Il y a que les... Ah, je fais de la merde. Voilà, là c'est déjà mieux. Je m'en suis mieux sorti. On va essayer de faire les choses bien. Alors, est-ce qu'il faut recramer ici? Ouais, c'est en fait, faut cramer les toiles d'araignée. Voilà, ça prend bien les toiles d'araignée, c'est ça qui est good. Ah, mais j'ai l'impression que ça save plus les œufs. Mais non, j'ai sauté. Ok. Ça, c'est bon. Alors, je crois qu'en bas, il n'y a rien d'autre. J'ai bien suivi. Ça repop, c'est bien. Ah merde, c'était juste un bouchon. Le mec il fait tout sauter. Ah oui, fous-moi la pression. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça passe bien. Caméra. Ah non, j'avais pas ramassé celui en route, mais j'avais ramassé celui qui était ici, ok. Alors par contre, comment je vais faire? Je pense pas que je puisse aller jusque là-bas. Ça me paraît gros quand même ce truc-ci. Ah si. Oh, pas mal. Pas mal du tout même. Je pensais pas qu'il irait aussi loin. Ouais. Alors j'ai l'impression qu'il y a une tyrolienne. Mais il n'y a pas de truc. On va d'abord aller là. Prenons les conduits. La musique d'ambiance est assez sympathique ici. Franchement, les musiques, il n'y en a pas tout le temps, mais quand il y en a, c'est de la bonne musique. Tiens, j'ai oublié d'aller voir ce que Ready had done et il faisait. C'est quoi ça des... Ah, c'est des... En fait, c'est censé être des araignées maintenant à la place des cafards. C'est ça le délire. Il en reste pas un normalement? Il y en avait trois. J'ai eu les trois. Alors là, il y a une toile d'araignée, mais il n'y a pas de feu. Tout feu, tout flamme, si. Bon. À quoi ça me sert? À rien du tout. C'est un fake. Comment ça, c'est un fake? Ah bah non, je l'ai pas cramé en vrai. Comment je peux le cramer d'aussi loin? Mais si je l'ai cramé, qu'est-ce que je raconte? Alors j'ai pas une super vue d'ensemble en fait. Ah mais non, il est encore là. C'est là la suite. Ah en fait, ah oui, ça reste enflammé tant que je suis appuyé, d'accord, ok. C'est ça le délire. L'autre c'était une feinte. Je vais me faire cramer le fion. Ok, pour l'instant on est bien. Ça fait un peu musique film d'Halloween. En fait, c'est ça l'ambiance là que j'ai l'impression d'être. C'est super bizarre. Elles vont se calmer les araignées? J'aime pas ça, mais c'est pas pour ça qu'ils me font me faire chier. Oh. Mais non, t'as à chaque fois. Voilà, le Z de Zelda est... me perturbe. La flamme, elle est là. Ah, je l'ai raté. J'ai du mal sur la profondeur.
Je suis beurré ce soir. Alors, pourquoi j'arrive pas à viser? Oh, l'œuf de merde là. Par contre, la caméra elle se coince. Mais quand même. Voilà. Ah, merde. Oh, mais t'es sérieux. Je suis tombé dans le seul trou qu'il y avait. Bon, c'est pas grave. Normalement, j'ai ramassé les œufs. Ok, on est good. Il y avait une sorte de save, donc c'est pas mal. Fallait que j'aille de l'autre côté. Ça c'est fait. Copine, t'es où? Ah, c'est vrai que normalement j'ai la vrille écarpée. Comment il voulait pas monter? Merde, j'ai raté les œufs. Je croyais qu'il allait avoir un trou. Je voyais trop vouloir me carotter. Est-ce que je peux remonter? Je suis pas assez haut là. Comment les attraper ceux-là? Bon, je vais tomber dans le vide. Déconne pas, gros. Ma belle outre. Alors, comme ça a l'air de passer, mais j'en ai pas assez. Ah, cette moule absolue. Mais non, mais reviens là. Juste que tu te tournes. Là-haut. Quand je disais que l'analogie hier de la PSP, c'était pas la précision absolue, j'arrive même pas à monter sur un truc. Bon bah, j'arrive pas. Je monte pas assez haut, je crois. Qui me paraît logique en même temps. Peut-être qu'il y a certains trucs, faudra revenir avec des petites améliorations, je ne sais pas. Peut-être que c'est fait exprès. Ça me paraît un peu bizarre, je suis en train de me faire ouvrir. Ben voilà, je me suis fait ouvrir par des araignées. Ah, fait chier, je me retape toute la zone. Bon, c'est pas grave, j'ai jusqu'à traverser. Je fume les deux araignées vite fait, on n'en parle plus. Mode vénère. Voilà. Mode très vénère. Calmez-vous les cafards. Bam. Moi je dis ultra vénère. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais c'était joli. J'ai fait strat one shot. J'ai osselé trois d'un coup. Joli. Hop, on récupère du gaz éteint. Alors là, c'est quoi? C'est une toile d'araignée? Ouh, il y a une grosse araignée, tiens. En tout cas, les trucs est bien pensé à le gameplay. Je trouve ça sympathique, les petits ajouts. Oh, c'est un chien. En mode chien. Putain, me gonfle une heure que je suis sur un mini jeu de merde. C'est insane comme c'est difficile. Ça fait chier, quoi. Je voulais 100%. Ah oui, les mini-jeux de Kirby. Ah oui, il y a des mini-jeux pourris dans les Kirby. Il y a des araignées. Et moi je fais des ratiseurs.
Faut pas le toucher, lui. Calme-toi, l'araignée. Alors là, il doit y avoir une route, j'imagine. Faut que je retourne les tuyaux. Allez, calme-toi bien. Déjà, on a les 25. La merde, c'est pas là. Comment je peux faire? Ah, ça me fait rebondir. T'appelais ça un chien, toi? Ouais, un chien robot. Mais non, mais rebondis pas. Mais carrément. Non, ça marche pas. Mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux rebondir, je veux me laisser descendre. Comment je peux attraper ces deux saloperies là? Bon, je vais essayer de monter déjà. Regarde, ça ressemble à un chien. Non? Ah, je savais qu'il y avait un truc dans mon dos. Ah merde, il faut pas le prendre comme ça par contre. Ah mais ça me fait rebondir obligatoirement. Là, je pensais qu'il y avait un moyen de contourner les tuyaux, mais même pas. Elle est où l'arnaque? À moins que j'arrive à monter là quelque part. Vite fait. Mais non, c'est un clébard. C'est des clébards robots. Hop, nouvel item. D'ailleurs, c'est des chiens robots araignées. Et il faut pas qu'ils me touchent. Sa race maudite, il faut pas qu'ils me touchent. J'ai encore l'impression d'être à Agrabah, moi. Là, je vois rien et voilà. Je me suis fait niquer. Ah bah ça va, on reprend là. Ah, mais je vois pas comment attraper ces deux œufs. Ah merde, ils ont repop, c'est vrai. Des saloperies d'araignées. Ah, j'ai perdu 2 barres d'énergie dans le vide. Mais non, fais pas ça, saute pas. Je voulais monter. Je peux pas les choper comme ça. Ah, quoi que si je rebondis et je reviens avec le truc, ça peut être une strat. Bon, ça c'est tendu. J'ai fait la même merde. Je voudrais tenter un truc comme ça, si je tombe bien au bord. Ah non, ça marche pas. Ah, quoi que si, je les ai peut-être eu. Non, c'est le truc en bas que j'ai eu. Je voulais tenter un truc. Mais le problème, c'est que je peux pas me poser. Ah ouais, c'est ça, je peux pas rappeler le truc. Ça pourrait marcher comme ça. Faut que je le fasse plus bas, par contre. Ah oui, ça a marché. Et voilà. Les plans foireux, ça marche toujours. Je savais que je trouverais une idée. Juste le temps de laisser mon cerveau réagir. Par contre, là, j'ai pas le droit de me faire toucher. Ils ont été un peu radins sur la vie. Zeuf. Ah, il y en a encore un. Non! Ah, ça, c'est sale. Ah non, je reprends là. Bon, on va essayer de pas se faire toucher. Genre, sur les catins d'araignée. Voilà. On va essayer de pas prendre de dégâts. On va essayer de pas... Tu vois, on dirait des kleps. Ah, mais non, j'ai perdu toute ma vie sur lui. J'ai fait de la merde. Recule. Mais je refais la même chose. Mais je suis un débile profond. Le mec, il oublie les carottes en route. Le jeu va te carotter, fais gaffe, et badon. Moi, je recommence. Mais en fait, non, je voulais mourir parce que voilà, je savais que je tuerais pas le chien derrière. J'ai pris trop de dégâts à lui.
Voilà. Ça, c'est mieux déjà. Je me sens un peu plus paré. Alors là, on tombe pas cette fois-ci. J'allais le refaire. Mais non, il a glissé! Non, là, je fais exprès. C'est pas possible. Le mec, jamais 203, il fait la règle. Sérieusement. Débile. Mais non, j'étais de l'autre côté. On dirait que ce soir, c'est un soir sans. Bah, j'ai cumulé trop de fatigue. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Voilà pourquoi je réagis pas sur Zelda. Et là, c'est pareil, je fais de la merde. Mais non, mais j'ai sauté, t'es pas sérieux. Ah, il me redonne un peu de vie quand même, lui. Enfin. Waouh. Ouais, je l'avais vu le coup de il faut anticiper. C'est quoi la carotte? Ouais, je savais. Mais non! Je savais qu'il y avait de carottes, faut passer au-dessus. Alors une fois sur deux, il est plus rapide, non? C'est pas ça? Bon, c'est pareil. Allez, viens. Viens, mon gars. Viens, Kléber. Allez, crève et lâche de la vie. Voilà. Merci bien. Alors, il n'y a pas de cadeau, rien qui traîne. Ok. Mais non. Bon, ça va, ils sont généreux, il y avait de la vie là. Alors, une flamme. Attends, je le sens pas, le coup de la toile d'araignée là, sans flamme à côté. Il faut que je vienne avec ma flamme comme ça? Elle est où la flamme? Attends, elle est cachée où cette flamme? Elle est là. Putain, je me doutais que ça allait être une carotte comme ça. Quel monde de salauds. Merde, putain, heureusement qu'il n'y avait pas de vide. Mais non, mais pourquoi j'appuie sur triangle au lieu de faire rond, moi, comme un gros débile? Ah ouais, je suis vraiment à la rue ce soir. Je suis clairement pas là où je devrais être. On va être tout à fait franc, je suis à côté de mes pompes ce soir. Mais c'est pas grave. Heureusement que ça passe, j'ai pas eu le temps d'appuyer. Allez, venez les gars. Tu en noteras que j'ai changé légèrement l'overlay. Je l'ai habillé légèrement. Je lui ai mis un petit Sackboy, un petit le Daxter, je l'ai mis en bas à gauche. Je trouvais que ça faisait plus cool comme ça. Par contre, je vois rien. Ouais, voilà. Merci. C'est gentil. Alors, il y a un œuf à droite, un œuf à gauche. Quel euphémisme. Je vais tomber. Je le savais. Alors, question, comment on fait pour... J'irai comme ça. Oh, je suis passé. Ah ouais, t'as vu ça, j'ai habillé. Alors c'est bon, je l'ai pris l'œuf. On peut le faire deux fois. Ah, mais encore le clébard. Alors je crois que ça marche bien ça. Leur mettre un petit coup de gaz et derrière, on les savate. Alors la flamme. La flamme olympique.
C'est ça ce stage. C'est les JO. Ouais, mais t'as vu, j'avais dit, je mettrais pas trop trop habillé, mais un petit peu plus quand même. Voilà, un truc pas trop dégueulasse. Non, je me suis encore trompé de touche. Je voulais revenir en arrière. Question. Dans quel sens ils m'ont remis? Ouais, il faut que j'aille par là, moi. Non, on a le droit qu'à deux fois et j'ai relâché. Je pensais qu'il n'était pas passé la première fois. Eh merde, encore une fois. Ah ouais, ça passe pas. Là, je vais au chemin le plus court. Depuis tout à l'heure, je fais des détours et genre là, ça marche pas. Ok, c'est passé. Bim. Ça va, eux, on les gère. Allez, je refais pas la connerie. Comment elle a feinté? Ok, on est bien. Une petite flamèche. C'est bien, je pourrais appeler cet épisode la flamme olympique comme ça. Voilà. J'ai le nom. Y a pas besoin de se prendre la tête. Ou mon ami plutôt. Au choix. 35 sur 35, cool, on a toutes les gemmes. Ça c'est good déjà. Alors, il y a un truc à étage, c'est ça? Ah oui, une sorte de... Ah, il y a des flammes. Ok. Des flammes, ça fait une poussée. Ah, les lois de la physique. Là, je croyais que ça avait pas marché. J'allais dire la carotte. Comme ça. Franchement, le level design, il est super intelligent, quoi. Il est super bien pensé. Ça fait plaisir de revoir ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un jeu plateforme bien pensé comme ça. Et franchement, c'est super stylé, ça fait plaisir. Ah bah là, il y a des œufs. C'est pas ceux que j'ai laissés au début, ça? Comment ça, oh putain, sa mère? Le bol, t'as réussi? Un nouveau niveau rêve. Ça, c'est cool aussi. Dis-moi que t'as réussi. Franchement, ce jeu, il est trop stylé, quoi. Il est trop craqué, c'est de la tuerie. En fait, moi, je vais là, ça tombe, je suis arrivé ici. On va vérifier peut-être avant. Là, j'ai redescendu. Non, ça a l'air d'être par là. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Val? Non, en fait, je croyais que le niveau il était fini, en fait. Mais moi, je veux voir, voilà. Je demande pas grand-chose, je demande à voir. Ah non, je suis au truc de pression. Ok, c'est là. En fait, le mini-jeu, il y a trois niveaux de difficulté. Il fallait faire le mini-jeu hard. J'ai pas arrêté. Je me suis dit, allez, je vais m'entraîner en easy. Je fais en easy, quelques tries, j'y arrive. Je vais en hard, achievement unlock. J'ai coup de moule de l'achievement mal codé. Et ben voilà. Et ben GG à toi. Pour jouer. C'est quoi ce délire? Il y a un mini-jeu. Ah ben j'ai pas compris. C'est quoi? Attention, Daxter. Si tu ouvres une valve au mauvais moment, toute la machine risque de surchauffer. Attends que la lumière rouge clignote pour appuyer sur le bouton. Ah d'accord. Le mec qui a pu au hasard.
Ouais, j'ai appuyé. Il fout ma gueule. Ne laisse pas monter la pression trop haut. Pour empêcher la machine de surchauffer, appuie sur le bouton correspondant dès que la lumière rouge se met à clignoter. Ouais, mais ça me perturbe, moi. Il y a trop de trucs à l'écran. Ah, mais il n'y a plus les trucs au bout d'un moment, ça me perturbe. Ça me perturbe, j'arrive pas à me faire. Ah, je l'ai pas vu. Non, mais ça y est, j'y suis. J'y suis, je l'ai. Merde, j'ai appuyé sur rond. Je voulais pas appuyer, j'ai cru qu'il était lancé aussi. Et le mec, il fait de la merde. Allez, c'est la bonne. On y croit. Et j'ai fait droite au lieu de faire gauche. Non, c'était pas la bonne donc. Ah, c'est mini-jeu de l'angoisse pour finir le niveau. Ah, j'ai oublié le bas. J'ai fait gauche avant. Et chier. Ah, sa mère. Sa mère, sa mère, sa mère. Ah, il faut remplir la barre donc. Oh, ça a l'air chiant. Moi, j'étais en train de dire que le jeu, il est trop stylé, il me fait chier. En fait, j'arrive pas à voir tous les trucs en même temps, des fois. Allez, je la joue façon robot. Ah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Voilà, quand je la joue façon robot comme ça marche. Tiens, j'y étais presque. J'étais presque, j'étais aux deux tiers, trois quarts. Mais je commence à prendre le coup, ça y est. Je réfléchis plus en termes de boutons, c'est pour ça. Non, c'était gauche. J'ai mal fait. Allez, ça va passer, on y croit. Ah, c'est ça en fait, quand il y en a deux en même temps, c'est super chiant. Allez, un peu de concentration. Ah oui, c'est passé. Voilà, c'est ça. Ouais, il faut appuyer au bon moment quand la flèche elle est dans le rouge, faut que tu appuies sur le bon bouton. Mais ça me perturbait au début. Parce que j'arrivais pas à voir tous les boutons en même temps, j'arrivais pas à les mettre à les visualiser correctement. Il y avait toujours un côté qui prenait le dessus sur l'autre. Bon, bah, je crois qu'on peut se barrer, hein. Il y a encore des pièges où il n'y a plus de pièges. J'ai tellement pas confiance. Et où la sortie? Ouais, non, mais ça va, c'est pas super compliqué en fait. C'est juste qu'il faut réussir à visualiser tout ça. Bon, c'est pas par là. Déjà, on peut pas revenir par là où on est venu. Bah, c'est où alors la sortie? Ah, mais c'est en dessous. Il y a un raccourci en vrai. Et il y a des œufs. Oh, il y a plein de œufs. Et j'ai débloqué un nouveau rêve, ça c'est cool aussi. Et là, il y a un item.
Donc voilà, j'imagine que c'est une sortie genre rapide. Mais franchement, je trouve le jeu super craqué. Il est super bon le jeu. J'ai grave accroché pour l'instant. Voilà, je voulais regarder qu'il n'y a rien. On est remonté dans le bar, ok. On va aller parler à la blondie. Salut, En fait, beauté. il y avait ici, il y a peu de temps, un ingénieur du système de transport du bas de la rue. Il a dit qu'ils avaient des insectes qui rongent les fils électriques. Fais attention quand même, il n'avait pas l'air du genre à cracher sur la boisson. On se demande sur quoi il avait l'habitude de cracher alors. Ok, c'est la sortie. Bon, en tout cas, le jeu est bien stable, hein, ça c'est cool. Ah, par contre, je peux pas voir où il habite notre ami, Osmo. Si, il faut que je retraverse là-bas. Faut s'en rappeler. Ah non, j'ai raté. Oh, le sac. Voilà, là-bas. On va tester le nouveau rêve. Moi, je veux aller voir ça. Ouais, j'ai vu ça sur Twitter. Bah, je sais pas trop pourquoi, après, au niveau détail, etc. Mais c'est par rapport à sa coloc. Bah, je pense qu'il a pas le droit de pomper toute la connexion à lui seul, quoi. Parce que bon, un live, je veux dire, s'il veut faire le truc, après, je sais pas c'est quoi. Parce qu'il m'avait dit ils étaient une vingtaine ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. Mais ouais, il doit être super deg. Mais en vrai, c'est parce qu'il a pas le temps, voilà, il veut nous laisser des vacances. Je lui ai demandé des vacances sans qu'il vienne nous embêter, voilà. Il m'a écouté, enfin.